Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais proposer, dans le cadre des négociations qui ont actuellement cours à Durban, une solution en matière d'énergie qui me semblerait prometteuse pour aider à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Comme chacun le sait, il y a au sud beaucoup de familles qui ont besoin d'avoir des méthodes de cuisson qui leur permettent de dépenser moins de charbon de bois pour pouvoir protéger les arbres qui séquestrent du carbone, puis qui ont besoin d'avoir des énergies de remplacement aussi pour remplacer les énergies fossiles. Je proposerais qu'on développe des meubles solaires qui seraient en fait un barbecue solaire constitué d'une coupole parabolique qui concentrerait les rayons du soleil sous une casserole, coupole parabolique qui serait installée dans un meuble constitué de deux colonnes qui soutiendrait une grille sur laquelle on pourrait déposer la casserole. Ces meubles-là, on en trouve des représentations sur le web. Il y a des gens qui en ont déjà fabriqué. Si on faisait une coupole parabolique de 2 mètres par 2 mètres, ben, cette coupole parabolique-là pourrait très certainement réfléchir suffisamment les rayons du soleil pour faire une cuisson rapide et efficace. On pourrait fabriquer ces meubles-là, puis la structure de la coupole elle-même en bois, permettant ainsi de séquestrer du CO2 puis d'utiliser une matière renouvelable puis réparable, facilement utilisable par les pays du Sud avec très peu d'outils, ici aussi avec très peu d'outils. On aurait donc un meuble qui permettrait de concentrer l'énergie du soleil sous une casserole pour qu'on puisse y faire de la cuisson, autant de la cuisson normale que de la cuisson à l'autoclave ou de la cuisson en grande friture. Ces meubles-là qui permettraient de concentrer l'énergie du soleil dans un cercle d'environ 10 pouces de diamètre, on pourrait aussi s'en servir pour activer un moteur Stirling qui fonctionnerait à l'énergie solaire, donc. Les moteurs Stirling sont des moteurs qui fonctionnent sur la base d'un différentiel de température entre une chambre chaude où le gaz prend de l'expansion, puis une chambre plus froide où le gaz perd du volume. Le transfert du gaz d'une chambre à l'autre finit par produire une oscillation qui fait tourner le moteur. Ces moteurs Stirling-là sont connus et utilisés depuis plusieurs décennies. C'est donc une technologie qui est bien maîtrisée. On pourrait fabriquer des moteurs Stirling qui pourraient fonctionner sur un four solaire comme celui que je décrivais tout à l'heure. On pourrait en fabriquer qui aurait une chambre chaude qui serait de la bonne dimension pour recevoir les rayons solaires sur un four solaire comme celui que je décrivais un peu plus tôt. Donc, on aurait besoin d'avoir un moteur Stirling plat d'environ 10 à 12 pouces de diamètre, assez grand pour que la chambre chaude reçoive tout le point focal d'un four solaire constitué de bois garni de papier d'aluminium. Ce moteur Stirling-là pourrait actionner une petite génératrice, pourrait actionner un tout petit alternateur électrique qui fournirait suffisamment de courant pour charger une batterie, pour charger des téléphones cellulaires, pour charger des lampes de poche au LED, qui fournirait donc une petite quantité d'électricité, une quantité d'électricité qui serait suffisante pour faire fonctionner un petit ordinateur pour la famille qui en serait propriétaire ou pour faire fonctionner des téléphones cellulaires ou des petits outils d'éclairage. Les deux appareils, le petit moteur Stirling solaire qui serait constitué d'aluminium, puis le gros meuble solaire fait entièrement de bois puis d'aluminium, pourrait aider ainsi à remplacer l'énergie fossile qu'on utilise dans les génératrices pour faire l'électricité des téléphones portables dans les pays du Sud. Ça pourrait aussi remplacer les panneaux solaires qui, pour l'instant, sont faits avec beaucoup de matériaux rares qui sont relativement dispendieux, relativement difficiles d'accès dans les pays du Sud. Si on trouvait une technologie de rechange qui serait faite à base de matériaux qui sont disponibles au Sud, on aurait dans cette direction-là quelque chose d'intéressant à proposer pour que les pays du Sud puissent avoir des sources d'énergie qui leur permettent d'éviter des émissions de gaz à effet de serre, qui leur permettraient aussi des sources d'énergie, qui leur permettraient aussi de faire des économies considérables quand on sait que dans plusieurs pays du Sud, le charbon de bois coûte aussi cher que la nourriture qu'on fait cuire au cours d'un repas.
Les économies qui seraient possibles avec des meubles solaires comme celui qu'on imaginait un peu plus tôt, les économies qui seraient possibles seraient considérables. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vais mettre en lien au bas du vidéo des données concernant les moteurs Stirling puis les barbecues solaires tels que ceux qu'on pourrait développer pour le Sud. Puis on pourra voir si ces idées-là peuvent prendre leur envol. Merci. Bonne journée.